Bon, bah écoutez, c'est parti, je fais les derniers réglages, voilà. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir ça. Voilà, ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, allez. Ma copine Fifine, mon copain, ma copine, moi je dis que c'est une copine, voilà, je vais la mettre comme ça. Hop, voilà, là il y a la caméra qui a décidé de se la jouer. Allez, sois sympa. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Voilà. En plus, on voit Mister Toutou. Non, c'est pas ça que je devais toucher. Plutôt ça. Voilà. Ça, on le ferme. Voilà. On va y arriver, hein. On va y arriver. C'est jeudi. Alors, attention. À chaque fois, ça change le truc. J'espère que vous allez bien. Oui, bah écoutez, là, ça a l'air de marcher. Voyons voir. Ouais, super. Ça a l'air de marcher. Est-ce qu'il n'y avait pas un bouton? Ah si, c'est ça. Alors attendez, je fais un petit essai micro. Ouais, c'est ça. Là, je vais augmenter un peu le micro. Voilà. Un peu plus. Tac, tac, tac. Tic, tic, tic. Ah là, il est là. Voilà. Là, ça doit être un petit peu plus fort que d'habitude. Je me parle, je m'entends parler. C'est rigolo. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est en mode Zoom. Donc c'est le dernier, ma dernière répète travail, on va dire online sur le stage qui va bientôt arriver. Et j'avais envie de garder un, comment dire, un souvenir, de le partager auprès des personnes qui seront là. Qui vont passer pendant ce live, et puis pour les personnes qui vont passer au niveau du replay, et puis peut-être après sur YouTube. Je vais encore garder quelques vidéos que je vais mettre sur YouTube. Hop, je regarde, c'était mon petit chien qui faisait du bruit. Ouais, ça gratouille, mais c'est pas lui. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je travaille pour moi d'abord. Je vous partage ma séance de travail avec les bonnes choses et les mauvaises choses. Enfin, voilà, on fait des erreurs. Hein. Là, on est en répétition, c'est bien indiqué. Et puis, tiens, il y a des petites choses que j'avais testées. On va tester déjà. Ce matin, j'ai mis des petits raccourcis, des petites commandes. Voyons voir. Ah, voilà. Très bien. Donc, ça me permet de tester des petites choses. Voilà. Comme on est vraiment au début, où j'ai mis un certain nombre de commandes pour que vous puissiez avoir des informations, comme par exemple setup. Donc, comme ça, moi, je m'entraîne. Ou la commande planning, voilà, tac, qui est le planning, bah voilà, si vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme commande? Ça y est, la fille, elle a oublié. Alors attendez, je vais aller tricher. Il y avait aussi une autre commande que je mets ici, comme ça. Après, il faudra que je vois. Si on fait la commande website, là vous avez le lien. Et la dernière commande que j'avais fait aussi, c'était au sujet 2. Après, il y en a une autre que j'avais testée, mais voilà. Comme ça, au sujet 2. Je sais pas si c'est cohérent comme information. Et là, ça remet normalement. Ah non, ça marche pas celle-là. Alors attendez. Peut-être que j'ai mis au sujet et pas au sujet 2, non, ouais. Ah, c'est intéressant. Ok. Donc, hop, je m'écris à moi-même, c'est chouette. Au sujet, voilà.
Et là, du coup, vous avez, voilà, j'ai mis trois commandes par rapport au setup, par rapport au plan, non, quatre commandes par rapport au setup, par rapport au planning, par rapport au site internet et aussi un peu au sujet de, bah, quel est le but en fait de cette chaîne en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'échauffer les doigts. Du coup, j'ai préparé le programme. Demandez le programme. Voilà. Hop. Donc ça marche. Voyons voir ce que je vois sur mon retour. Voilà. C'est petit, hein? Alors, ça, c'est pas. Donc, je vais enlever celui-là et mettre celui-là. Boum. Et du coup. Tac. Voilà. Donc, le programme du jour. Tac. On va. Ah, voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Enfin, moi, je ne le vois pas avec mes pauvres yeux, mais c'est que je travaille les deux morceaux de stage. Voilà. Que je vérifie si tout est bien et tout. Après, par cœur, Zelda Lullaby et Bayside, en sachant que, vous voyez, j'ai mis un petit objectif du jour qui est que si j'ai trois follow dans ce live, bah, je jouerai. Un, comment dire, le truc, le morceau, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Et puis, il y a un autre truc qu'il faudra que je teste, mais ça j'ai pas le temps de le faire, c'est de changer la caméra d'ailleurs. Et au niveau nouveau, en déchiffrage, ben, j'ai une personne qui m'a proposé des morceaux et d'être en déchiffrage. Voilà. Et du coup, j'ai fait exprès, vous voyez, assez marrant, la couleur n'a rien à voir. Hein. C'est fou, hein, la différence de couleur de setup. Oh. Et du coup, alors, on peut peut-être, je peux peut-être améliorer des trucs, on va voir. Donc, la webcam. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, moi, je vais poncer mon parquet aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Salut, je vais poncer mon parquet aujourd'hui. Donc la webcam, je vais voir si je peux faire à peu près la même chose. Rogner, filtre. Alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait colorimétrie, je crois, ajouter et alors on va voir saturation. Ah ouais, c'est un peu rouge quand même. Hein. J'ai un peu trop bronzé. Est-ce que là c'est mieux? C'est vrai que j'avais dit à l'époque que c'était un peu. Ouais, c'est peut-être un peu mieux là. J'avais dit. Et du coup, on va voir là, si on voit une différence entre les deux. Comme j'ai le retour. C'est presque pareil. C'est pas exactement ça. Mais c'est presque pareil. Bonjour Pixel. Je fais des tests de colorimétrie parce que je vois que mes caméras, elles sont. Elles sont un peu différentes dans les deux. Voilà, donc je teste. Et j'étais en train de tester les commandes aussi, tu vois. J'ai mis des commandes pour des informations et tout. Et je vais travailler tes morceaux. Comme ça, tu pourras les écouter au loin. Alors là, je vais commencer par les morceaux de stage. Je vais commencer par Zelda aussi, pour toi. Et puis je vais. Et donc, donc comme je te disais. Attends. Parce que j'ai essayé de préparer mon truc. Hein. Ça c'est intéressant à montrer aux gens. Donc tu vois. Ah, attends, parce que là je suis en double. Ça fait très mégalo quand même. Hein. Ouais, non, je trouve. Voilà. Allez, boum. J'use et j'abuse. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Alors tu vois. Donc ça c'est prélude. Tu vois. Et alors le problème va se situer vers le bas. Où là, tout d'un coup, on a des notes bémol qui apparaissent. Et comme en harpe celtique, on n'a que deux notes, une même note, on va dire, sur chaque levier, mais qui peut être ou naturel dièse ou bémol naturel, bah, il peut y avoir un problème de ce côté-là, tu vois. Donc, je vais tester. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pourrais peut-être pas le jouer. Enfin, comment dire? Ça ne veut pas dire que c'est impossible à jouer. Mais la version que j'ai là, c'est une version non traitée, non tout ça. Enfin bref, voilà. Et puis pour Segunda, alors pour Segunda, on n'en avait pas parlé, mais
Moi, c'était un morceau de Skyrim que je voulais apprendre. Là, normalement, j'ai trouvé une version qui est jouable. Et en fait, j'ai essayé de faire de faire ma petite sauce, on va dire ça comme ça. Oui. c'est intéressant parce que c'est effectivement, faut. Comment dire? À l'harpe, comment dire? Comment je vais t'expliquer ça? Parce que c'est bien, c'est une bonne question pour débuter. En fait, il existe deux harpes, globalement. Tu as la harpe celtique qui a des leviers. Tu vois, ça, c'est des leviers. Et tu as la harpe à pédales. Et la harpe à pédales, en fait, c'est une évolution de la harpe celtique où tout le mécanisme est vers le bas de la harpe et on a des pédales comme les pédales d'une voiture. Et on pourrait dire, alors, c'est un peu le même rapport, hein, parce que j'ai baigné là-dedans, il y a eu une époque. C'est un peu comme si je te parlais de voiture, boîte manuelle et boîte automatique, quoi. La boîte manuelle, tu dois changer les vitesses. Ouais, alors c'est encore autre chose. Et la boîte automatique, ben, ça se fait automatiquement. Donc on va dire que la harpe à pédale, c'est presque automatique. C'est-à-dire que quand tu actionnes une pédale, tu as tous les dos qui changent d'un coup. Alors que moi, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Tu vois? Alors par contre, par rapport au piano, on va dire que moi, j'ai des cordes qui correspondent aux cordes blanches d'un piano. Et quand je monte certains leviers, j'ai les touches noires d'un piano. Voilà. Et le truc, c'est que, en fait, la harpe celtique, on pourrait lui donner un autre nom qui pourrait être harpe diatonique, c'est-à-dire deux tons, deux niveaux, quoi. Comme l'accordéon diatonique, où c'est les accordéons. Là, je vais faire un amalgame, enfin, de breton et marin, où quand tu as une touche et que tu pousses ce qu'on appelle le soufflet, tu vas avoir une note. Et quand tu appuies de nouveau sur la touche et que tu tires, tu vas avoir une autre note. Ben, la harpe celtique, c'est un peu ça, quoi. Tu vois? Voilà. Donc, ben, écoute, je vais tester. C'est une bonne chose. Je vais tester. Je vais commencer par la première heure à travailler aussi mes morceaux, puis d'autres petits morceaux, comme j'avais indiqué là sur mon petit programme. Comme ça, si tu veux écouter simplement, si tu es au boulot ou un truc comme ça, quoi. Donc, tu vois, là, je me suis fait mon petit programme avec. Voilà, donc le stage par cœur et puis le déchiffrage, quoi. Voilà, donc je vais commencer par ça. Mais si tu as des questions, n'hésite pas parce que c'est pour ça aussi que je stream. Donc, on va échauffer les petits doigts comme ça, la personne qui. Voilà, comme ça, je vais voir aussi au niveau visibilité. Ouais, c'est pas mal. Échauffer les doigts. Il faut échauffer les doigts. Eh ben voilà, bah, pas parfait. Tu continues GTA? C'est pas la même ambiance, hein. C'est pas la même ambiance, hein, mais bon, ça peut passer, hein, remarque, hein. Ok, bah écoute, du coup, pour toi, mon premier viewer, oh là là, j'ai du mal. Eh ben, attends, je teste un truc. Ben, écoute, je vais jouer Zelda, comme ça, ça me portera peut-être chance. Hop, voilà. Ben, c'est intéressant. Ok, hop. C'est intéressant. Je teste des trucs, c'est pour ça. Ah, tu vas jouer à autre chose? Tu peux. Tu sais, hein, il y a un truc qui m'avait. Je peux pas dire fait rire, mais c'est un compliment. Quand j'étais en fête médiévale, il y avait des phrases qui revenaient. Au début, j'étais un peu vexée. Je me disais, ah ben voilà, bonne idée.
Ouais, donc quand je faisais des fêtes médiévales ou des fêtes féeriques, tu avais les gens, le grand public qui venait me voir et puis qui me disait toujours la même chose. Quand j'ai commencé, au début, je me disais, ouais, ils exagèrent, mais en fait, c'est simplement une remarque, quoi. Et il y avait des gens qui me disaient, ah, c'est reposant, ah, c'est comme un rêve d'enfant. Et puis quand ils achetaient mes albums, tu vois, les gens me disaient, ah, ben, je m'en sers pour repasser le linge. Ou pour lire un livre et tout. Puis je me disais, ah bah ouais, mais quand même, c'est de la... Et en fait c'était un beau compliment. Quand j'ai commencé, je me disais, ah bah non, mais moi, je voudrais que vous écoutiez ma musique. Mais en fait, tu as des gens qui écoutent la musique d'une certaine façon et pas forcément en écoute pure, mais en faisant d'autres choses. Et c'est OK, quoi. Et voilà, c'est une expérience. Ça fait partie des choses dans l'expérience de musicien qu'il faut accepter que... Il y a un moment d'écoute, il y a un moment de partage. Enfin, peut-être que je m'exprime mal, mais toi, pour te donner un autre truc, c'est que... comment je vais t'expliquer ça? Quand les gens font des mariages, par exemple, moi, ça m'est arrivé... oui, voilà, c'est doux. Quand on fait un mariage, faut comprendre que les stars, c'est les mariés. C'est pas la harpiste. La harpiste, c'est... un peu un meuble à côté, c'est vrai, et c'est la vérité. Moi, ça m'est arrivé de faire des mariages où les gens venaient discuter à côté de moi avec leur verre de champagne à la main, et puis plus je jouais fort, plus ils parlaient fort parce qu'ils s'entendaient pas. Et puis voilà, faut bah tant pis, moi je suis là pour faire l'ambiance sonore, c'est ma fonction, quoi, tu vois. Donc ça fait partie des moments où on se met un peu en arrière au niveau de l'ego, et puis on est là pour divertir les gens, quoi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc du coup, c'est très bien, on va commencer par Zelda. Et ça va me permettre de voir ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Voilà. Donc on va jouer la berceuse. Super. Bravo. Bah c'est super. Voilà, bah écoute bien. Alors tu vois, on va dire que ouais hein, on va dire que si je dois re-regarder mes vidéos, bah il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines, bah je le jouais pas aussi fluidement. Donc à force de répéter. Voilà, et ça c'est bien.
Alors, maintenant, bah, on va aller voir son copain Totoro. On va aller voir son copain Totoro. Donc, là, on va reprendre la partition. Skyrim est prévu, je vais la mettre là. Je sais qu'il y a un si bémol là. C'est en do. Est-ce que j'avais mis... Oui. Ah, mais il n'y a que le si qui est... Le si 2 qui est bémol. Ok. Donc c'est parti. C'est le début. C'est là où j'ai un doute. J'ai juste ça qui est dont je me souviens pas. Donc, il faut juste que je me souvienne. Alors, où est-ce que c'est? Ah, c'est Ré. Non, c'est Mi. C'est mi. Ok. Écoute, c'est pas mal là ce que j'ai fait. Ok, je vais recommencer ça. Ah merde. Non, ah, j'ai un doute là maintenant, toi. Non. Pourquoi j'ai un doute? Pourquoi j'ai un doute? Si. Pourquoi j'ai un doute? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Le levier. Le levier, Ève. Voilà, là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir dans le sens où bah, j'avais oublié que j'avais descendu le levier. Voilà, un exemple. Donc je retourne.
Ah oui, je sais pourquoi. Faut faire attention. Je sais pas si c'était là, mais c'est pas grave. Ouais, alors là, on en est. Là, j'aurais dû le faire ici. J'aurais dû le faire ici, en fait. Tin, 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 tin. Là, c'est normal. Et là, c'est. Voilà, ça, c'était la deuxième partie. Ok. Donc, en fait, là, j'en suis à la. Oui, le levier, voilà, le fameux levier. Voilà, c'est ça, le fameux levier. Et c'est, en fait, il ne faut pas le dire, mais c'est le piège pour les stagiaires. Elles vont devoir utiliser ça, le levier. Donc, tu vois, la prof, il faut qu'elle s'entraîne, parce que sinon, ça la fout mal. Non, il n'y a qu'un levier encore, ça va. Parce que, tu vois, par exemple, j'avais adapté le morceau Gymnopédie d'Eric Satie. Ça pique. Ça pique, ça pique. Mais c'est super intéressant parce que justement, on doit faire les choses à la main. Sans. Tu sais, l'autre jour sur un stream, tu vas rigoler parce que on a un peu le même délire. Je voulais expliquer à la personne, mais sans qu'on pense que je voulais me faire de la publicité parce que c'est délicat sur Twitch. Et je lui disais, ben voilà, moi je fais. Je fais une pratique solitaire de mon travail et je le partage sur Twitch. Et la fille, elle a lu, puis elle dit « Ah ouais, c'est bien !» J'osais pas lui dire qu'en fait, c'était de la musique. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit « J'aurais dû lui dire que... c'était artistique ce qu'elle a dû dire. Bon, la nana, elle est un peu mardin, quoi, tu vois. Donc, une pratique solitaire. Mais bah voyons, quoi. C'est fou. Enfin, bref. Donc, alors, la plus. Là, il faut que je retourne dans mon travail. Donc, quand même. Ok, donc là je vais refaire mon truc là. Tiens, je vais voir si je peux pas passer sur. Il y a un truc que je comprends pas. Ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça serait intéressant comme visuel? Voyons voir. Ouais. Alors attends, hop. Là vous allez voir la caméra de gauche un peu baissée. Tac. Bon, je peux pas tout montrer. Enfin, j'ai rien à cacher, hein. Mais ouais, c'est intéressant, ça, comme visuel. Ouais. Faut me dire, hein. Ok, donc, j'y retourne. Donc, j'étais en train de travailler. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
J'étais en train de travailler donc mon stage de harpe que je vais animer au bah là ce week-end. Donc je travaille mes morceaux, voilà. Donc là les filles, parce que c'est des nénettes, vont apprendre deux morceaux. Elles vont apprendre un morceau de Totoro qui s'appelle Path of the Wind, et elles vont travailler un morceau. Le morceau, le dernier des Mohicans. Voilà. En sachant que sur ce morceau-là, la différence entre les deux morceaux, c'est que Totoro, il y a beaucoup de petits détails à se souvenir, alors que le morceau de dernier des Mohicans, on va dire que c'est assez répétitif au niveau de la main gauche, etc. Donc c'est là-dessus que je travaille. Et si vous remontez un petit peu le chat, vous verrez que j'ai mis des commandes au cas où si vous avez des questions qui permettent de savoir les heures, qu'est-ce que j'ai comme setup, etc. J'essaie de m'améliorer comment dire, sous la bienveillance de certains de mes collègues comme Pixel qui est dans le coin et comme d'autres personnes qui passent avec qui on a des affinités et qui m'aident un petit peu à me développer sur Twitch. Voilà, on crée une petite communauté, oui. Voilà, donc j'y retourne. Parce que Pixel, lui, sait ce qu'il veut. Il veut la suite. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est que j'ai trois pages. Vous le voyez un peu au fond, là. Et en fait, là où je m'étais arrêtée, c'était pratiquement à la dernière page, la moitié de la dernière page. Donc mon but, c'est de rejouer ça. Et il faut que je me souvienne, parce que là, en fait, quand je joue pas avec la partition devant moi. Hein. J'essaye de le faire. Oui, la suite. de le faire de tête, parce que ça aussi, c'est intéressant en tant que musicien de le faire de tête. Et ensuite, je vais travailler la fin qui est pas très compliquée, quoi. Donc, j'y retourne. J'y retourne. Ok, donc c'est parti. Je sais plus. Hop, pas oublier le levier. Alors là, et là, du coup, c'est ici. C'est un bémol, quoi. Alors.
C'est là où je... Ça, c'est la suite. Ok. Donc ça, je sais le faire. J'adore la fin, elle est vraiment très jolie la fin. Vraiment très très jolie. Donc là, ça y est, j'ai fait tout le tour. Donc, courage Pixel. Courage, tu vas en avoir encore un petit coup. Je vais le remettre comme ça maintenant, ça sera peut-être mieux. Voilà, hop, pour changer un petit peu les points de vue. Donc je vais le refaire en essayant de ne pas faire trop d'erreurs. Et de toute façon, demain, je vais encore travailler en off. Mais... le fait de le faire en online, comme ça, ça me permet vraiment de me booster, quoi. Donc, c'est parti. Et après, on va faire le dernier des Mohicans. Il est quelle heure? Ben, c'est bien. Et puis après, on essaiera un petit peu de voir d'autres choses, quoi. Allez, c'est parti. Ah, j'ai triché. Le levier. C'était mieux. Il y a encore des petites erreurs, mais c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Donc maintenant, il faut digérer tout ça. Et ça, c'est important. Il faut digérer tout ça. Hop. Donc, ça c'est fait. On avance, on avance. On avance et on avance. Alors, pour ça, normalement, là, c'est un peu... c'est un peu finger in the nose. Je vais voir un coup, d'abord. Je suis désolée.
Je vais couper le micro, histoire que vous n'entendiez pas les bruits d'eau. En fait, dans ta vie, t'es glouglou, t'es bruiteur professionnel. Non, mais j'avais regardé une vidéo, parce que bon, j'essaie de faire de mon mieux, quoi. J'avais regardé une vidéo où le gars, il disait, oui, alors vous savez, les streamers, ils font des trucs, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Ah bon, d'accord, ok. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce gars-là, j'ai été le voir en stream. Et il y a certaines choses qu'il fait, lui, mais il ne se rend pas compte parce que pour se souvenir de tous les bons conseils, j'ai dit, mais tu disais qu'il fallait interagir avec tes viewers, mais tu le fais pas. C'est fou. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je suis désolée. Oui, j'ai. Alors, pourquoi pour spamming caps? Ah, oui. Alors, fais ce que tu veux. Oui. Je suis désolée, j'ai aussi suivi des vidéos pour les majuscules. Donc du coup, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais alors du coup, est-ce que je peux le... Et bravo l'automode, voilà, c'est ça. C'est ça, et bravo l'automode. C'est ça. Et du coup, on ne voit pas ton... On ne voit pas ton... On le voit ton message ou pas? Non. Alors c'est bizarre parce que sur... Je le vois ou je le vois pas? Toi, tu le vois, moi? Non, refrain voir scammy cap. Enfin, bref, bon, bref, comment ça, t'as été banni? Streamlab, t'as banni? Oh, le vilain! Merci, Zemichou, 31. Oh, le vilain, il t'a banni, dis donc. Attends, alors là, je ne suis pas d'accord avec Streamlabs. Mais alors, je ne suis pas d'accord du tout, du tout, du tout. On ne bannit pas un pixel. Non, 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 non. Ça va pas du tout, hein. Alors, attends. Ah, c'est ton autre compte? T'as deux comptes. Ça va pas, ça. Envoyer un message de... Envoyer un message de sanction, il y a marqué. C'est ce que tu as reçu. Zut. D'un autre côté, avoir bloqué certaines choses, c'est pas plus mal, non, tu vois. Quelque part, bon, j'essaye un petit peu de me protéger parce que c'est vrai qu'on je vais essayer de réduire le truc là à 60 secondes. Voilà. Parce que le problème qui se passe aussi, hop. À toi, tu l'as vite enlevé? Ouais. Bah écoute, tant qu'on est là, toi tu penses que c'est pas une bonne chose pour les majuscules? Parce que c'est vrai que le problème, tu vois, ce matin, j'écoutais, je participais à un débat chez une streameuse qui est très très sympa, qui s'appelle Lily Cajou, Lily Cajou, Lily Conjou, et elle parlait justement des streamings de filles. Et que le problème, c'est que, il y a beaucoup plus de harcèlement et de problèmes sur les streams des filles que des garçons. Et du coup, je me suis dit, bon, j'essaye de me protéger aussi pour pas me retrouver avec des situations un peu délicates. Bon, nous, on commence à se connaître parce que voilà, on échange de stream, etc. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé une ou deux fois quand je suis tout seul, parce que pour l'instant j'ai très peu de personnes, hein, comment dire, d'avoir des gens, je ne savais pas comment réagir, quoi. Tu vois? Donc c'est vrai que du coup j'essaye de réguler comme je peux en attendant d'avoir un jour, peut-être pour les histoires de modérateurs, etc., quoi. Donc je suis désolée, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Donc voilà, quoi. D'accord. Ah ben ça c'est mon modérateur. J'étais en train de me dire, mais... Ah oui, alors ça c'est l'auto-modérateur qui... Voilà. Là il fait bien son travail. Je ne lui ai rien demandé. Enfin voilà. Donc... Non mais on pourra en reparler un de ces jours si tu veux. Parce que ça m'intéresse. Comme toi, ça fait plus longtemps que tu streams, etc. D'avoir des conseils, etc. Moi je suis toujours preneuse. J'essaye de faire de mon mieux sur cette plateforme.
Et voilà, de trouver le juste milieu par rapport à mon travail, par rapport. Ce matin, c'était intéressant de voir aussi le point de vue de cette personne qui a envie et voilà, qui a fait un choix. Et elle était très généreuse, je trouvais, par rapport à des streamers beaucoup plus, bon, qui ont un demi-million, voire je ne sais pas combien, et qui sont beaucoup plus froids, tu vois, beaucoup plus. Bon, voilà, qui ont aussi de l'expérience, quoi. On va dire ça comme ça, quoi, tu vois. Alors, on continue. Mais voilà, c'est là-dessus aussi pour ça que je fais des streams et moins et plus des vidéos YouTube, même si les vidéos YouTube, maintenant, c'est des bouts de stream, parce que je peux discuter avec les gens et j'en reviens à ma pratique solitaire. À ma pratique solitaire, que la fille, elle a dû se dire, mais ça va pas la tête. Bon, là, je vais travailler le morceau du dernier des Mohicans. Là, c'est pas très compliqué, c'est juste une histoire de concentration. Ça fait partie des morceaux qui, comment dire, de l'extérieur, paraissent compliqués, mais les morceaux celtiques, faut savoir que ils sont faits pour être simples et difficiles à la fois. La difficulté, c'est la vitesse, en fait, voilà. Même si je précise ici, au cas où, que ce n'est pas un morceau traditionnel. C'est une composition qui a été faite pour le film. Voilà, toi. Je suis libre, voilà, c'est ça. Je suis libre. Voilà. Donc, notre ami, le dernier des Mohicans, qui est le dernier depuis des années, d'accord, quoi. Voilà, c'est ça. Ne provoque pas ma colère, c'est ça. Non, j'ai réduit. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai enlevé pour l'instant. Voilà. Ouais, je l'ai désactivé. Je l'ai désactivé. Mais c'est arrivé parce que là, j'ai dans les quand j'ai des nouveaux followers, ce que je fais, c'est que pour l'instant, comme je peux le faire, je vais voir les profils. Et il y a déjà un ou deux profils. Je lui parle de harpe, il me parle de guitare. Enfin, j'ai un doute sur certaines choses. Donc c'est pour ça que je me protège, quoi. Tu vois. Ok. Plutôt comme ça. Pas propre mon truc. Thank you.
On peut faire mieux. Ça peut être un peu plus propre, mon affaire, quoi. Ça se voit pas, mais voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. T'es moins en colère? Ça va, la colère est retombée. C'est ça qui me pose un problème, en fait. Ouais, faudrait. Faut que je renforce un peu mon truc. Oui, le brigand, oui, il perd rien pour attendre. C'est ça. Ok. Ouais, cette note-là, en fait, j'étais en train de réfléchir. Toi, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est de savoir si la note finit une phrase ou commence une phrase. Toi, ça, c'est des petits trucs. C'est un peu comme peut-être en dessin, finir une ligne, commencer sur une autre ligne. Enfin, bref, c'est et ça, je dois le faire sur mon instrument. Ça, c'est quelque chose que toi, j'ai la partition qui est là, mais en fait, je la regarde plus parce que je la connais par cœur. Quand je fais des fautes, c'est des fautes d'étourderie. C'est pas des fautes de comment dire que je connais pas le morceau, quoi. Donc, hop, 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 voilà, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire. Et puis on passera. Ta, ta, ta. Oui, c'est très bien. On passera à la suite. La suite, la suite, la suite, la suite. Ok. Alors, concentration aussi. Respiration. Ça aussi, je le dis souvent à mes élèves, de respirer. Et moi, je le fais pas assez. Je le fais pas assez. Donc. On va faire du grave. Ça va pas, ça c'est ma bague. Mon alliance. C'est monsieur qui va pas être content. Quoi? Ah,
Là, je vais essayer de faire comme ça. C'est mieux, c'est mieux. Toujours travailler de toute façon, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Voilà, ça c'est fait, comme dirait l'autre. Ça c'est quoi? Ah oui. Donc, notre petit copain, le B-side, là. Alors, hop, t'as vu, j'ouvre la partition. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5 pages. Alors, fleurs, étoiles, deux fois, deux bleues étoiles. Notre ami la lune, l'étoile, donc ça fait étoile, plus, les vagues. Vagues comme ça, d'accord. Ça c'est fleurs, non ça c'est fleurs en sol. Soleil, nuages. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non. En fait, j'essaye de me souvenir par des symboles de partie. Donc là, ça commence à faire pas mal. On va voir. Donc on va faire ça. Ça, c'est le bonus. Alors, du coup, voilà ce que je vais faire. Mon petit programme. Voilà. Mais si, toi, tu te rappelles de ça, professeur Simon? Hein? Rouge, blanc, bleu, vert, je sais plus ce que c'était. Tout ça, des messages codés, c'est ça. C'est ça, j'envoie des messages à des gens en ce moment en leur disant « chut ». Voilà. Non, mais c'est une façon très sympa de retenir des parties et de ne pas lire les partitions, quoi. Donc, voilà le programme, chers amis. Chers amis, pour ceux qui passent par là, parce que je sais qu'il y a des gens qui passent par là. Donc, je vais jouer ce morceau qui s'appelle « Bessade », qui fait partie d'un jeu vidéo qui s'appelle « Might and Magic 4 ». Il va falloir que quand même j'aille voir des vidéos de ce jeu parce que en fait j'étais tombée amoureuse du morceau et j'ai jamais joué au jeu. Quand même. Hein. Et après, je vais faire un morceau spécial pour Pixel, qui ne connaît pas. Je t'expliquerai après. Que j'ai déjà fait la semaine dernière, parce que je crois que c'est la semaine dernière que tu m'avais dit que tu fêtais quelque chose de spécial. Voilà. C'est ça. Hein, Laurent, j'ai un message pour toi. La blanquette de veau est bonne. Je répète à monsieur, hein, parce que je crois qu'il est en train de faire de la cuisine, justement. C'est plutôt salade de riz ce soir. Oui, donc voilà, donc je vais faire ce morceau-là. Et je vais faire ce morceau-là, puis après, la petite surprise. Et puis après, on fera un truc qui est beaucoup moins drôle. Enfin, beaucoup moins drôle. Parce que le but, c'est pas faire un concert. Enfin, c'est que je vais commencer à déchiffrer ce dont nous avons parlé, toi et moi. Je te dis, mais les gens qui sont dans le coin, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, allez.
je sais plus. Je crois que c'est... Ah non, c'est l'autre, c'est pas grave. Mais j'ai la vitesse, par contre. J'ai la vitesse. Donc, je vais le refaire une fois. Et puis, oui, à un moment donné, j'étais perturbée parce qu'en fait, j'avais dit le programme. Si je remonte fleurs, etc. Et j'ai loupé... qu'est-ce que j'ai loupé, déjà? Je crois que j'ai loupé étoile. Une étoile. Mais personne ne le voit, en fait. Il n'y a que moi qui le savais. Donc je vais le refaire une fois et puis après on passe à la suite. Ça, c'est ça qui est bien, c'est, sauf si tu connais vraiment le... C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Si tu connais vraiment le truc par cœur, tu peux biaiser, dire rien, dire non, tout va bien, c'est ça. Alors que tu as fait une bêtise, mais bon. En harpe, on ne fait pas de fausses notes. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Chut, il ne faut pas le dire. Quand elle est accordée, on ne fait pas de fausses notes. On peut faire des notes un petit peu... pas harmonieuses, mais qui peuvent être aussi intéressantes, quoi. Donc, je refais celui-là. Thank you.
Petite fin mystérieuse. Ok, super. Je vais faire glou glou glou, comme me disait mon ami Pixel. Je vais regarder quelque chose. D'accord. Hop. Hop là. Glouglou. En tout cas, ça c'est mieux que ce que j'ai bu hier. Enfin, mieux. Non, c'est pas mieux. Disons que je vais pas m'endormir avec de l'eau à la place d'un whisky orange. Alors, est-ce que tu joues toujours à Zelda ? Ou est-ce que tu m'écoutes ? Les deux. Alors, le morceau que je vais te jouer, il a un nom bien sûr, il s'appelle Éternel et c'est une des premières compositions que j'ai créées pour un anniversaire de mariage, en l'occurrence le mien, il y a quelques années. Donc je voulais t'offrir ce petit morceau à toi et à madame, voilà, pour que ça vous, comment dire, ça vous porte chance et que vous ayez plein de belles années, etc. Voilà. C'est un morceau que c'est une de mes premières compositions et voilà. Je voulais te faire la surprise en dehors de ce qui vient après où là c'est plutôt du travail quoi. Voilà. Donc Éternel, tu pourras le dire. Thank you.
Et voilà. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer par ça. Allez, on va commencer par ça. Donc, notre ami Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu, merci d'avoir inventé ce magnifique morceau. On va le déchiffrer ensemble. Et donc, voyons voir. Voyons voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Là, on est là. Ah, on a déjà quatre notes. Et après, c'est super. Oui, les leviers. D'accord, là, il est. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Qu'est-ce que notre ami a voulu dire comme message? Alors là, il manque une corde. Je ne vais pas pouvoir la faire celle-là parce que elle est cassée. Mais c'est pas grave, on y est, hein? Et après, normalement, celle-là, elle est plus haute. Et après, on redescend. Alors, on redescend sur. Voilà, là je l'entends bien, celle-là. Alors, ok, donc. Hey, t'as vu, c'est magique! Si on connaît une qui va rigoler, j'ai une amie. Non, c'est ça. C'est ça, hein, et ensuite. Ça, je comprends pas. Alors, bon, du coup, c'est bien qu'on commence à être. C'est trop chou. C'est trop bien, oui. En plus, alors j'ai une super idée. Alors. J'ai une super idée, les élèves vont me détester. Ah oui, ça redescend en fait. C'est ça? Ça redescend. Ah, attends. Parce que je vais le transformer en exercice pour les élèves. Oh! Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, voyons voir. Ça, c'est bon. Ça, on peut le faire. Hop. Ça, on peut le faire. Normalement, celui-là, on peut le faire. Bon, il y a celui-là. Celui-là, là, il a marqué que c'était une octave au-dessus. Bon, là, pour l'instant, je peux pas. Normalement, ça devrait être un Do 6. Donc, du coup, je vais pouvoir remettre la corde parce que je ne l'avais pas fait. Ta, ta, ta. Et après, ça monte plus haut. Là, par contre, le Do 7, moi, je ne l'ai pas. Mais je peux changer. Ah, mais attendez, j'ai une super idée. Je peux changer de harpe. J'ai une harpe derrière qui, elle, devrait faire le taf. Donc, ce que je vais faire pour éviter tout problème, c'est que je vais couper 2 minutes la webcam pour faire les échanges, etc. Ouais, la harpe de secours. En fait, j'en ai trois, mais il y en a une qui est cachée là-bas. Faut pas le dire. Un jour, on en reparlera des collections, parce que j'imagine que toi aussi, tu as des collections. Mais ouais, je vais faire ça, je vais changer. Alors, tu vas voir, le son est assez différent. Hein, parce que là, le son que tu entends sur cette harpe-là, oui, c'est des cordes en boyau, donc on entend un son un peu sourd, un peu velouté, je sais pas comment t'expliquer d'une façon simple. Alors que la celle qui est derrière, c'est des cordes en nylon, donc c'est. Ça, c'est plus brillant, plus claquant, quoi. Donc je reviens, je coupe la caméra juste 2 secondes pour faire le changement. Alors attendez, tac, tac, tac. Hop, voilà, c'est juste pour que ça soit
plus sympa pour vous, quoi. Mais je reviens tout de suite. Tiens, d'ailleurs, non, mais je sais ce que je vais faire. Attendez. Je vais mettre mon Georges, voilà. Mais je suis toujours là, hein. Mais c'est Georges, du coup, qui vous accueille avec un café. Voilà, attendez, c'est bon? Ouais, donc j'arrive. C'est l'instant, Georges. Hop, viens par là, toi. Ce sera plus confortable. Yep. Par contre, je sais pas si elle accorde et celle-là, on verra. Allez, mes meilleurs. Ouais, t'es pas contente. On va voir. Est-ce que t'es accordée, toi? C'est la question à 1000%. Yeah! Voilà. Je suis en train d'installer le tout. Comme ça, hop. Voyons voir. Tac, tac. Ok. Hop. Alors, on revient en arrière. Là. Voilà. Tata! Et me revoilà. Voilà. Alors là, on rigole pas, les gars. Là, on rigole pas, elle est plus grande que moi. Mais elle est. Ouais, elle est plus grande. Donc, du coup, beaucoup plus de cordes. Là. Elle est en train de chanter, elle est en train de dire je vais travailler, je vais travailler. Alors, du coup, c'est encore différent. Et ensuite, ah ouais, c'est bon, là c'est. Voilà, ça devrait donner ça en fait. Ça devrait donner ça. Donc. Elle est un peu désaccordée. Et donc. Et du coup, ça donne ça, en fait. Je vais peut-être l'accorder un tout petit peu, la même petite mémère, la petite mamie. C'est une petite mamie, en fait, cette harpe-là. Et là. T'as quel âge? Je crois qu'elle doit avoir au moins 15 ans. Ce qui, pour une harpe, bon. Alors, petite grand-mère, viens par là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, au contraire. Allez. Ça devrait aller mieux comme ça. Ça aussi, c'est la réalité. D'accorder. D'ailleurs, il y a un dicton irlandais qui dit que les harpistes accordent plus qu'ils ne jouent. Alors. Oh, c'est pire, j'ai l'impression. Bon, alors du coup. Donc là, on redescend. Donc ça, c'est bon. Donc j'étais dans mon truc. Je suis pas sûre que ça monte aussi haut. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si ça monte aussi haut dans le vrai truc. Toi, alors là, c'est intéressant parce que tu as une partition et la réalité de l'instrument, quoi. Parce que je suis pas sûre. Normalement, ça monte assez haut, ouais. Je suis pas sûre que c'est, entre guillemets, une vraie harpe. Parce que du coup, après. Ouais. Bon. On va dire qu'on va le faire dans cette zone-là. Voilà. On va le faire dans cette zone-là. Donc, normalement, c'est une octave au-dessus. 4, 3, 2, 1. La slash. 1. Là, je suis en train de mettre les doigtés. Tu vois, pour me souvenir un petit peu de comment ça marche. 1, 2, 3, 4, 1. Alors là, ça repart sur un sol. Et alors, 1, 2, 3, 4. Alors, donc ça, c'est main gauche.
Main droite, main gauche, main droite. Oh, je vais marquer GD. Alors, D, DD, D, G, 1, 2, 3, 4. De toute façon, c'est des arpèges classiques. 1, 2, 3. Ah, et là, ça s'arrête au ré. Ok, donc on va déjà faire ça. Donc. Alors du coup, ouais, il faut que je m'entraîne à faire ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça s'arrête là normalement. Donc. Voilà, normalement c'est ça. C'est ça. Oui, mais il y a une petite erreur. Alors, attends. Il y a une petite erreur parce que quand je redescends, normalement, bon, on sait que c'est plus haut, mais on va dire que c'est là, quoi. Là, il y a... C'est ça en fait. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Oui, mais le problème, c'est que... Alors, les liens vont pas marcher parce que j'ai bloqué les liens. Mais je pourrais débloquer, hein. Le problème, c'est que si la harpiste, elle joue de la harpe à pédale, moi, je joue pas de harpe à pédale parce qu'elle, elle peut faire les modulations, si tu veux. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que c'est pas en voyant la personne que je vais automatiquement le jouer. Moi j'ai besoin aussi de le travailler comme je fais là. Tu vois? Mais c'est gentil de ta part, hein. Mais si tu regardes bien, si la fille elle a pas ça au niveau des leviers, elle a une grande harpe, etc. C'est deux pratiques différentes quoi. Tu vois? C'est ça qui fait que voilà quoi. Donc j'y retourne. Allez. Normalement, ça fait ça en fait. Ça fait sol. Sol, ouais. Donc. Ça donne ça. C'est un peu bizarre, hein. Mais oui, tu vois. Alors attends. Est-ce que c'est rejeté? Pourquoi c'est rejeté? Ah oui. Attends, 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 attends. Il faut que je l'accepte. Tu sais pourquoi ton... Est-ce que c'est passé? Ouais, c'est passé. Oui, je me doute. On va pas. Désolé. Désolé. Donc ça, c'était la première ligne. Je vais continuer à avancer. Comme ça. Donc ça, c'est la première ligne. Donc on va dire que c'est une ligne en do. Voilà. Et ensuite, on a une ligne en la. Donc, c'est le même principe. Parce que de toute façon, c'est des arpèges et... Ouais, c'est ça. Oui, je comprends le truc. Alors après, il faut que je vois. Donc, là, on a la main gauche. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Ok, là la note est pas très jolie. Attends, je suis là, je suis sur. Ah non merde, je regarde pas au bon endroit. Ah oui. Là. Alors, attends. Donc, ça c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir faire l'enchaînement des deux premières lignes. Des deux premières lignes. Donc, ça c'est A, B, C, E. A, B, C, E. Ça c'est la même chose. Donc, ça c'est gauche.
Ça, c'est droite. A, B, C, E. Donc ça, c'est gauche. Donc là, c'est au-dessus. Ça, c'est droite normalement. A, B, C, E. Et là, c'est A descendant. A, E, C, B. Ouais, c'est l'inverse, quoi. E, et en fait, donc 1, 2, 3, 4, 1 sur A. Et là, il y a un décrochement. On repart sur I. Et tout à l'heure, on partait sur G. Ok. Tu comprends rien hein, de ce que je raconte, hein? Donc, du coup, donc, main gauche, main droite, main gauche, main droite. Et alors du coup là on redescend. Et là on a le pouce. Ah non. Ah mais je suis pas au bon endroit là. Attends. Attends, je vois rien. 3. 4. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ça. Non. Et ensuite, mi. Ah ouais. Tin, 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 tin. Ok, je vais essayer ça. Alors là, vaut mieux que je le fasse comme ça. Là, ça s'arrête. Ça s'arrête à là. Ça s'arrête au si. Ça s'arrête au si. Et la bonne. Ah, j'ai une reprise. Ah bon? Ah, il faudra que je vérifie ça. Donc. Ta 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 ta. Voilà. Alors, on y retourne. Attends. Non. Comme ça, je vais pouvoir m'entraîner. Alors, c'est sol après. Ah, c'est sol. Voilà, et là on est pas mal. Et après, donc là c'est un la. Nanana. Ça, je pense que ça doit être deux fois. Oh, alors, je comprends pas là. Je pense que c'est pas ça. Là, il y a une erreur là. Il faudra que je le revoie. Comme je l'ai pas sur Muscore. Et après, c'est en si. C'est si, ré, sol, la. Si, ré, sol, la. Ok. Alors, si, ré, sol, la.
Alors là, ça devient un peu plus tricky. Parce qu'autant là, c'était. Si, ré, sol, là. Alors à moins qu'on le découpe comme ça. Non. Si, ré, sol. Si, ré, sol, là. Alors du coup, peut-être comme ça. Ça peut être intéressant, ça. Voilà, c'est ça. Encore des messages codés. Ah, ça va pas, hein, ces trucs, hein. Là, c'est alors là, c'est un peu différent. Je te montre. Dans les deux premiers cas, tu vois, j'avais quatre, trois doigts de placer, puis ça faisait ça, toi. Donc là, c'est assez simple. Alors que là, c'est si, ré, sol, là. Et là, c'est beaucoup plus écarté, toi. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, soit si, ré, sol, là. C'est ça, on a dit, hein. Si, ré, sol, voilà, c'est ça. Alors, en fait, ça, si, ré, sol, là, soit je le fais comme ça, ou alors, je triche. Je fais trois notes par trois notes. C'est-à-dire que je vais faire si, ré, sol, là, la main gauche. Et, non, si, ré, sol. Et la si ré et après sol la si ah, ça donne ça tu vois hein? Ok alors on va avancer un peu bon celui-là je peux le faire. Cette partie-là, je peux le faire, faut la travailler. Là, je vais. Là, tu vois, je commence à être un petit peu fatiguée, mais c'est normal. On est à 1 h 30 de jeu, etc. Donc, alors le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est évidemment la partie que les gens aiment le plus. C'est que normalement, ça, je le déchiffrerai. J'irai le réécouter pour. En plus, j'ai Final Fantasy XIV sur ma PlayStation, donc je peux le réécouter. Alors là, normalement, je vais te montrer et montrer aux gens qui passeront par là. Je vais cacher ça, c'est pas que je veux pas vous le montrer, vous pouvez le trouver facilement. Mais tu vois, là, tu as des symboles avec des bémols. Alors là, le problème, c'est qu'il faut que je vérifie. Alors là, mi bémol, ça va, mais pareil, mi bémol, ça va, mais il y a des la bémol, par exemple. Il faut que je vois comment je peux l'arranger, quoi. Et ça veut dire que comme précédemment j'avais un la, et eh ben si ça redevient la bémol là, c'est-à-dire qu'il faut que je baisse, il faut que je trouve un truc. J'ai pas toutes les notes à disposition sur la harpe celtique, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des fois, on a des problèmes de notes, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà noter, je vais déchiffrer. Donc ça, c'est un mi, donc. Fa, sol, là c'est un, normalement c'est un la bémol ou égal sol dièse, c'est ça que ça veut dire. C'est un do, c'est un mi bémol et c'est un sol. Là c'est pareil, c'est un la bémol, un do, un mi bémol et un sol. Et là ça se répète, là ça se répète. Voilà donc en sachant que précédemment j'avais par exemple ça. Et du coup, là, il va falloir que je descende ça et ça. Et partout sur la harpe. Donc en fait, et le problème, c'est que comme il n'y a jamais d'arrêt, je devrais normalement descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 7. Donc l'astuce, si bémol, et alors là tu as si bémol après. Bon, le si bémol ça peut passer. Alors l'astuce. Alors il y a plusieurs astuces. Bon, là je ne peux pas le faire en direct. C'est la première astuce, c'est de que j'écrive la partition sur un logiciel et que je le change de tonalité. Et que je vois s'il y a moyen de.
de biaiser, quoi. De trouver une solution. Parce que là, par exemple, c'est La bémol, Do, Mi bémol. Donc ça va faire ça. Voilà. C'est ça qu'on attend. Mais ça, je l'ai fait sans en m'arrêtant, quoi, tu vois. Donc. Et du coup, alors, si je fais que ça, on va dire ça comme ça. Et du coup, on aurait quoi? On aurait La bémol, Mi bémol. En fait, on va le réfléchir autrement. En fait, on n'aurait plus que le Si qui est bémol. Je sais, je t'ai perdu. Au revoir. C'est là où les pédales sont pratiques, en fait. Parce que ça, ce que je fais à la main, eh ben les nénettes, là, le font au pied. Au pied! Et donc, La bémol. Donc, ça fait ça. Alors, attends, là. Ah, bah ben là. Là, je l'ai oublié, celui-là. Alors, attends. Bah, ben, si. On a dit La, Do. La, Do, Mi bémol. La, Do, Mi bémol, Sol. Du coup, La, Do, Mi bémol, Sol, ça fait Sol, Do. Est-ce que je peux le faire comme ça? Oui, je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça, du coup. Et du coup. Et ensuite, ça donne ça, quoi. Ça donne ça. Et après, ça va être. Si bémol, ré, fa, et la normale en fait. Et donc le la et redevient naturel. Ré, fa et la. Voilà. Alors, c'est un bon challenge que tu m'as donné, hein? Voyou. Voyou, voyou. En fait, je pense parce que le si et le la sont là. Il va falloir que je réfléchisse à la question. Bon. Il va falloir que je réfléchisse à la question. On va voir, hein. Peut-être que c'est pas possible de tout faire. C'est peut-être pas possible. Donc, je vais refaire ça. Merde, hop, on recommence. Je crois que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Ah, alors là, ah, le levier, le fameux. Là, va falloir que je vois parce qu'après, après ça, on va avoir. Donc après, on va avoir. On avait le fameux si ré sol là. Voilà, si ré sol. Alors, la si ré sol. On va faire si ré sol. Après, on a le truc quoi. Ouais, bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir. Parce qu'évidemment, là, ça, c'est la même chose. Ouais, c'est intéressant. Ah, bah, c'est de ta faute, hein. De toute façon, moi, je vais te dénoncer, hein. Moi, je vais te dénoncer, hein, de toute façon. Alors, ça, c'est pour le prélude.
Je dis pas que c'est infaisable. Je dis simplement qu'il y a, on va dire, deux lignes ou qui font des altérations. Et il faut que je teste sur d'autres tonalités, en fait. Parce que j'ai pas toutes les notes à disposition, en sachant que en fait, on a beaucoup d'altérations, donc il faut que je trouve une astuce. Maintenant, il faudra que je regarde s'il y a une collègue ou un collègue qui le fait à l'harpe celtique. Toi, dans ces cas-là, tu peux taper sur YouTube Prélude, Final Fantasy, harpe celtique ou Liver Harp, harpe à levier, et voir si ça... Voilà, quoi. Oui. Non, mais surtout que là, j'en ai deux. Pour le stage, là, qui sont fans de tout ça, quoi, Totoro, le Hobbit, enfin, tout ça, donc elle serait ravie. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, il y a certains morceaux qui sont très difficiles ou quasiment impossibles à la harpe celtique. Entre autres, les morceaux autour de Harry Potter, ça a été fait pour un orchestre, pas pour un instrument... solo, et souvent on me parle justement de la fameuse harpe qui endort le chien à trois têtes. Oui, mais quand vous regardez bien, les gars, c'est une harpe à pédale. Et donc le morceau qui a été composé, il est composé pour une harpe à pédale, c'est-à-dire une harpe d'orchestre. Donc voilà. Moi, tiens, faudra que je le joue peut-être pour que je le réapprenne pour Halloween. Tiens, ça pourrait être sympa. C'est il y a un morceau, un... Il doit y en avoir quelques-uns, mais de Harry Potter, ça s'appelle Kissing Jenny, lorsqu'il embrasse Jenny, voilà, dans la salle sur demande, où là, c'est des arpèges et il n'y a pas de, voilà, y a pas de difficultés particulières. Sinon, les grands thèmes, même j'avais essayé de travailler sur le... moi, ce que j'aime bien comme morceau dans Harry Potter... Entre autres, c'est la... Merde. J'allais dire la rue des embrumes. Non, l'autre. L'autre. La vraie. Avec toutes les boutiques. Voilà. En anglais, je crois que ça s'appelle Diagon Alley. Mais en français, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, je commence à être fatiguée. Enfin bref, donc pour notre ami Prélude, écoute, on va le voir. Déjà, c'est prometteur, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors pour Segunda. Alors Segunda, là c'est différent. Pour Segunda, il n'y a rien de particulier. Il faut juste la travailler. Tu as déjà joué à Skyrim ? Ah, c'est le premier morceau que j'ai entendu sur Skyrim. J'ai dit, ah, ça j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends. Je ne comprends pas c'est quoi ça qui apparaît. Ah, tu m'as envoyé... Ah oui, tu m'as envoyé un mot de passe et vos informations personnelles, d'accord. Alors, c'est marrant parce que toi, ça passe pas sur le... Ça ne passe pas sur le logiciel. Alors, attends, parce que là, hop, on va baisser ça. Ah oui, Samantha Ballard, oui. Final Fantasy. Ouais. Oui, je connais Samantha. Ah bah écoute, super. Attends, je le mets en route. Alors, on va voir. Je sais pas si tu l'entends d'ici. Et là? Là, c'est celle qui est écartée. Ah, et un levier. Ah, là, elle triche. T'as vu? À un moment donné, elle fait pas le... Ah, ça serait intéressant, ça. Comment je peux faire ça? Ah, c'est dommage, parce que là, moi, je le vois... Mais il faudra que je vois comment on fait pour partager une vidéo sur Twitch. Comment je peux faire?
Bon, là, je ne vais pas avoir le temps parce que je vais vous faire perdre du temps. Mais quand tu écoutes ce qu'elle fait, en fait, au moment où elle fait normalement ce qu'on devrait jouer, elle fait autre chose. Toi? Hop, elle change des leviers. C'est quoi? C'est une 38 cordes? Non, 30. Non? Ok. C'est bien, il y a Streamlabs qui me fait de la pub. Ça, c'est la deuxième. Là, voilà. Ah, ça se répète deux fois, ça, ok. Là, c'est celle avec le si ré sol là. Elle s'arrête, elle change les leviers là. D'accord, elle fait un petit. D'accord. Et elle recommence. Elle est maline parce qu'elle. Je dis pas qu'elle triche, c'est qu'elle concourt, elle contourne le problème parce que à la harpe celtique, voilà, on peut pas changer. On peut changer deux, trois leviers, mais au-delà de ça, c'est pas possible, pratiquement pas possible. Ou faut. Ou elle, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle fait une pirouette pour changer le levier, c'est ça. Alors ça, par contre, ça, c'est intelligent. Ça, je trouve ça très intelligent parce que du coup, elle montre qu'on ne peut pas le faire, mais d'un autre côté, à la fin, elle a réécrit pour passer à côté du truc. Oui, c'est ça. Et ça montre en fait, il faudrait que je fasse des recherches de savoir le morceau d'origine. Est-ce que c'est vraiment une harpe qui le fait, une vraie harpe, ou si c'est mon copain Lionel, il me le dirait, lui. Une harpe préenregistrée qu'on passe sur synthétiseur. Tu vois, et qui, quand on joue, on a l'impression vraiment que c'est une harpe, mais en fait, ce sont des sons de harpe qui ont été. Parce que moi, j'ai utilisé ce système-là. Comment ça s'appelle déjà? Pour les musiciens qui passent par là. Merde, je sais plus. Où est-ce que c'est? Mais dis donc, il parle mon truc là, mais j'ai rien demandé. J'ai dit, allez, moi je vais causer aussi, les gars. Hein. Mon Streamlabs, ça y est, lui, il prend le truc, il se dit, allez, c'est moi qui cause, c'est moi qui décide, quoi. Là, tu peux lui dire, vilain Streamlabs, hein. Vilain, vilain. Comment ça s'appelle déjà, ça? J'ai une version de ça, merde. Parce que ça peut être intéressant pour les musiciens. Qui fut une époque, j'étais trop fatiguée pour enregistrer, j'utilisais ça. Évidemment, c'est quand je cherche un truc que je ne trouve pas. Ah, si, Garitan, voilà. Tu as un modeur, un espèce de logiciel qui te permet de jouer la musique et de choisir des instruments. Et ce sont des vrais instruments, mais qui ont été enregistrés. Et quand tu passes la musique, eh ben en fait, ils vont l'interpréter avec des vrais instruments. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense sincèrement, il faudra, et si je me trompe, ben je mea culpa, mais que les gens comme Jérémy Soule ou d'autres compositeurs de jeux vidéo, je ne pense pas qu'ils aient eu le budget pour enregistrer forcément avec un vrai orchestre. Tu vois? Donc, et du coup, ils utilisent ces faux vrais instruments pour créer l'ambiance, quoi. Tu vois? Pour The Witcher, c'est très différent parce que pour The Witcher, tu as une partie qui a été composée par un compositeur et tu en as une autre qui a été faite par un groupe traditionnel, enfin un groupe pagan, un groupe médiéval qui a enregistré la plupart des morceaux. Donc c'est des faux vrais traditionnels et qui font l'ambiance, quoi. Donc là, c'est encore un. C'est pour ça que tu vois, je discutais l'autre jour sur Internet, enfin, je discutais pas, mais j'avais. Laisser un message sur le compte Twitch de Edouard, un gars qui est sur YouTube et qui fait du rétro gaming et qui explique l'histoire du jeu vidéo. Donc là, il parlait de Skyrim, etc. Et je lui disais, mais c'est ce qui est dommage dans la vidéo qu'il a présentée, c'est qu'ils ont vraiment fait un travail de fou pour expliquer comment Skyrim est fait, pour faire comprendre comment ça marche, etc. Mais il y a un point où ils n'ont pas abordé, c'est la musique et l'ambiance, quoi.
Et quand je lui ai dit ça, en essayant d'être respectueuse, je ne vais pas lui dire, oh, c'est nul, non. Ah, mais comment dire, dans ces genres de vidéos, souvent on oublie la musique. Parce que t'imagines, tu mets la danse des canards sur Skyrim, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est un peu là-dessus que toi, je me positionne pour ce que je fais, c'est de montrer que voilà quoi. Hein. Mais en tout cas, je le garde en mémoire parce que c'est vrai que elle est mignonne, Samantha Ballard. En plus, elle a un nom français, mais elle n'est pas française. Hein. C'est assez rigolo, quoi. Oui, oui c'est ça. Ou la farandole, ou des trucs comme ça, quoi. Moi, c'est vrai que moi, j'avais commencé Skyrim, et dès le début, t'as la musique de Segunda, et je me dis, waouh, mais c'est beau, ça, toi. Voilà, donc, on va essayer de le faire. Allez, je me donne encore, allez, 10, 15 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont dû faire des mods un peu comme ça, où ils changent les personnages, les trucs comme ça. J'avais vu passer ça, je crois, sur Elden Ring. Enfin, t'en as, ils vont très loin dans les conneries. T'en as qui vont très loin dans les conneries, quoi. Enfin, bref. Donc, moi, ouais, je vais. Bah, écoute, merci, je le garde en mémoire. On sait jamais. On sait jamais. Hop, un raton. Ne partagez pas, ok. Non, par contre, je l'ai vu, mais je l'ai. Il n'est pas passé sur le stream. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Par contre, moi, je pourrais le passer sur le. Ah, attendez, moi, ce que je peux faire, parce que comme j'ai des gens en dehors de YouTube où ils vont pas voir ce qu'on fait, mais j'ai des gens qui parfois regardent les replays, parce que bah, ils peuvent pas être là le jour J, c'est normal. Moi, je peux mettre un lien. Parce que c'est mon stream. Voilà. Yes. C'est mon stream à moi. Alors, on continue. Pour Segunda. Alors, pour Segunda, déjà. On va être dans une tonalité qui va être je ne sais plus, en si bémol majeur. Ouais, alors là, quand je parle de ça, là, mes élèves, ils frémissent. Ouais, c'est ça, c'est moi qui les commande. Quand je leur dis, bon, alors, on va être en si bémol majeur, là, ils disent, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc du coup, si et mi, donc ça veut dire là. Bon, après les tonalités, ça aussi, ça peut changer. Hein. Ça peut se transposer. Alors, donc là, on va faire un peu de déchiffrage. L'entend déjà, c'est fou. Non? Alors, attends. Ah, je suis pas au bon endroit. C'est quoi ça? Je crois qu'il y a mon chien qui ronfle dans le coin. Ah oui, c'est bon. Alors, donc c'est. Ok, et donc du coup je l'ai. C'est fini. Alors. Et du coup, au niveau des accords, c'est do, sol, do. Ok. C'est un fa. C'est un fa do fa? Ok. Et là, c'est do sol do. On est à do sol do aussi. Ok.
Ça se répète. Ça se répète. Do, sol, do. Hein? On le retrouve. Hein? On le retrouve. Donc, par contre, là, peut-être que là, je ferai une diminution. On va voir. Je vais ralentir. Et là, c'est un fa. J'entends la suite. Bon, là après, il faudra que je la travaille. Alors là aussi, les élèves vont pas m'aimer parce que c'est un truc. Ça, c'est intéressant aussi. Ok, donc ensuite, alors, ta 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 ta, on est là, donc sol ré. Mi sol do. C'est si, sol, sol, si, sol, sol. Alors, là, il faut que j'enchaîne. Attends, on commence. Est-ce que ça serait pas mieux que je le place comme ça? Ouais, ça serait mieux. Et là, comme ça. Ça pourrait être intéressant. Là, je suis en train de le redéchiffrer là. Ok. Là, c'est un petit peu plus chiant hein, pour vous, ça. Je suis désolée. Hop. Alors, du coup, 1, 4, 1, phrase. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ah, bah oui. 1, 2, 3, 2, 1. Je me parle à moi-même hein, souvent. Ça doit arriver plus. 3 et 3, 1. Ça serait mieux comme ça, je pense. Tu vas voir que les élèves au stage vont dire, non, mais en fait, Totoro, c'est pas bien. Moi, je vais apprendre Segunda. Ben non, ça, ou Prélude de Final Fantasy. Je dis, non, ben là, vous allez parler à Pixel et puis c'est tout. Je vais dire que c'est ta faute, c'est tout. Alors, là, il faut que je vois où ça commence et où ça finit. Ça finit sur Fa, Ré, Sol, Do. Do. Fa, Ré, Sol, Do, Mi. Ok.
ensuite ré si sol ré si mi mi et sol. Ok, là c'est un autre débat. C'est un autre truc. Voilà, là, je suis un peu obligée de le faire aussi en regardant ce que je fais, toi. Donc, on recommence. Non. Ok. Ok. Donc là, ça commence à rentrer. C'est beaucoup du do, donc. Et après, c'est du fado. Ensuite, c'est du ré si. Ah oui. Ça, c'est joli. Après, c'est do, do si mi. Oh, c'est un peu bizarre, mais on va voir après. Fa si. Et do sol, ok, on va faire les deux mains, on va essayer, non, alors déjà c'est pas du tout ça, c'est mi, ah, on voit la différence hein, quand même, hein. Et ensuite fa do. Ah, ça c'est très joli. Oh là, ça va plaire à mes élèves. Ok. C'est presque mieux que fait, que prélude. Non. Alors, ah, oh, je l'ai gelé là. Ensuite, il y a la descente. Alors, la descente, si, ré, mi. Alors là, pareil, il faut que je le fasse. Alors, pour si, ré, mi, ça va être... Alors, attends, je vais le noter quand même. Quand la charge mentale est trop forte, mon cœur est brisé. Non, faut pas. Non, mais tu sais, c'est quoi le challenge? C'est que je vais essayer de m'inspirer de Samantha sans la copier. Parce que, en fait, ce qu'elle nous a montré, c'est que effectivement, à la harpe celtique, le prélude et pas possible de faire complètement. Par contre, elle a trouvé, comme tu dis, une jolie pirouette pour le faire. Donc, cette pirouette-là lui appartient. Alors, j'ai deux choix. Soit je lui achète la partition et je le joue. Mais par contre, ça veut dire que moi, en tant que personne qui vend des partitions, je peux pas revendre son travail. Toi, sauf si je lui demande, mais voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est de m'inspirer de ce qu'elle a fait et de voir comment mon esprit, lui, va trouver une autre solution. Donc, tout n'est pas perdu, Pixel. Tout n'est pas perdu. C'est simplement, effectivement, elle a donné un truc intéressant et de montrer qu'on ne peut pas tout faire. Donc, moi, je vais voir si j'ai un autre point de vue. Parce que, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai entendu chez une collègue un morceau que j'ai aussi arrangé, qui est le... Brevert, on va l'appeler comme ça, il y a un autre nom, mais bon, le morceau de Brevert, In the Love of the Princess, quoi, ça s'appelle, pour l'amour d'une princesse, avec Sophie Marceau, là, hein, il y a très longtemps.
Et en fait, la personne qui le jouait ce matin, elle a peut-être fait exprès, je ne sais pas, de zapper des notes qui sont intéressantes, que moi, par contre, je joue, parce que j'ai trouvé une astuce pour mettre ces notes-là. Tu vois, donc elle, soit ne sait pas le faire, soit ne voulait pas le faire, et du coup, moi, je l'entends, puisque je connais par cœur le morceau auditivement, et je me dis, ah, c'est pas ça le vrai morceau. Mais après, il y a aussi la limite de chacun, quoi, tu vois. Donc, je trouve que sa pirouette, c'est une bonne pirouette, et ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose à côté. Peut-être qu'effectivement, voilà, donc tout n'est pas perdu. Alors, du coup, je pense que je vais finir sur cette première partie de Skyrim, là, de Segunda. Je vais simplement noter les notes pour ça. Là, de toute façon, c'est juste de la pratique. Il n'y a pas de problème pour celui-là, c'est simplement s'entraîner, quoi. Parce que j'ai trouvé une version. Et donc, c'est récit. Moi, je mets les notes, hein, même pas peur, je m'en fiche. Les gens, ouais, mais il faut déchiffrer. C'est bon. Moi, j'ai pas fait le conservatoire, monsieur. Voilà, c'est tout. Je te le dis. J'ai appris, j'avais 27 ans. Donc je trouve que le résultat est bien. À 50 ans, sol. Alors, et sol. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Attends, déjà. Est-ce que je le vois d'ici avec mes pauvres yeux? Donc, tin, tin, tin. Ah bah oui, c'est logique. Alors ça, j'aime beaucoup ce récit. Alors là, Missimi, ça recommence. J'écris comme un cochon. Alors là, je chante, mais alors. C'est plus ton cœur que je vais briser, c'est tes oreilles. Je ne chante pas en fait, je fais la 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 parce que voilà quoi. C'est. Ok, là je le fais sans filet. Ok, ça c'est bon. On pose ses pieds. Ça va être do. Ah. Non. Ça c'était bon. Ah, c'était ré si. Ok, donc on y retourne. Do. Ensuite, on a dit que c'était ré si. Et on a dit que c'était mi. Ah. Est-ce que ça va passer? Mi, 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 mi. On est là. Mi. Mi, mi. Mi, si, mi, ouais. Donc là, c'est fa, si. Fa, si bémol. Je sais plus. Ah, c'était mi. Et ensuite, c'était fa si. Encore une dernière fois. Là, je commence à être un peu fatiguée. Non. Ensuite. Ok, bah écoute, là, ça devient
Intéressant. Du coup, je repars en arrière pour finir. Il est quelle heure? Ah bah écoute, c'est pas mal, hein. Et je repars en arrière. Ok. Est-ce que cette note-là, elle est toute seule? Tiens, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, cette note-là, le ré, il est tout seul et le do est tout seul. Ok. Voilà. Et alors là, c'est des... Ok. Ensuite, c'est pas ça, c'est pas grave. Ensuite, on a dit que c'était do. Oh bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal pour, comme déchiffrage là. C'est pas mal. Et après, ça se répète. Donc, hop. Bah écoute, voilà. Je pense que je vais arrêter là. Parce que là, je commence à être sérieusement fatiguée. Mais non, c'était très très chouette. Voilà. J'ai pas mal travaillé. Voilà. Alors, du coup, t'en es où avec Zelda? C'était toujours avec moi. D'ailleurs, je vais vérifier un autre truc. Hop. Tac, tac, tac. Voyons voir. Ok. Ah bah écoute, je crois qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Si c'est le dernier que tu es en train de faire, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, tu galères. Ah bah oui, ouais, j'ai une amie... et son mari, là, ils sont à fond dedans. Alors, quand je lui dis, alors, t'en es où? Elle me parle de trucs, je comprends rien. Mais je la vois passionnée. Donc du coup, donc je me dis, bon, bah, écoute, super, quoi. Voilà, quoi, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon. Bon, écoute, je vais arrêter là. D'ailleurs, des morceaux de Zelda, j'en ai d'autres que la berceuse de Zelda quand le stage... sera passé là que je me serai un petit peu posée. Je pense que je reprendrai certains morceaux comme ta da da ta da da ta da 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 celle-là la ta da 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 celle-là. Et il y a aussi Menuet qui est joli aussi ta da ta ta da. Bon, ça c'est des morceaux je crois que c'est des morceaux de qui viennent de Ocarina, je crois. Enfin, de vieux Zelda, en fait. Mais ils sont sympas, ils sont sympas. Je ne sais pas s'ils ont repris dans le nouveau Zelda ces musiques-là. J'en sais rien du tout. Ou dans le même style, je ne sais pas. Donc, mais bon. Voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, attends, je vais vérifier quelque chose avant d'arrêter tout. Oui, oh. Revalorisation tarifaire. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Bon, en tout cas, merci Pixel d'être mon collaborateur, on va dire, sur ce stream. Toi, voilà, là, quand je commence à bafouiller, c'est que je commence à fatiguer. Moi, je vais pas streamer ni demain, ni ce week-end, puisque j'ai le stage. Mais lundi prochain, bah, je vais recommencer. Comme ça, je ferai un petit débrief. Et puis je continuerai à travailler ça, voilà. J'aurai peut-être pas le temps de d'écrire les morceaux, mais au moins pour Segunda, je pourrais le travailler parce que c'est motivant. Et puis puis peut-être d'autres. Et puis je vais garder Totoro, bien sûr. Alors justement, tiens, pour finir, si tu veux, je te fais encore un coup de Zelda. Est-ce que tu veux un coup de Zelda? Oui. Mon voisin va dire bon.
Un petit coup de Zelda? Allez, ouais, toujours! C'est ça, toujours! Allez, un petit coup de Zelda pour moi aussi, tiens. Puis sur cette harpe-là en plus. Et puis après, j'arrêterai là. Hop. Ouais, hop et hop, il y a beaucoup, hein. Alors attends, parce que là, il y a plus... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est ça. C'est encore un autre son sur celle-ci, hein. Voilà, bon, bah écoute, là, je crois que j'ai tout donné, là. C'est bon. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, si vous streamez lundi soir, bah écoute, ça sera à mon tour de te laisser des petits messages sur le jeu que vous aurez choisi. Voilà. Oh non, mais il est chiant. Qu'est-ce que tu as encore fait pourquoi... Oh. Qu'est-ce qu'il a marqué? Please refrain votre spamming emote. Ah oui, c'est les emotes. Oh. T'es encore banni, je suis désolée. Mais il va falloir que je le réduise. C'est parce que comme t'es tout seul sur le stream, je crois que Streamlabs est jaloux. Ouais, non, mais c'est ça en fait, Streamlabs est jaloux. Voilà. Oui. Oui, non, mais bon, j'ai encore des réglages à faire. Donc, je vais essayer de régler ça. Et puis, voilà quoi. C'est vrai que c'est pas évident hein, de trouver le truc. Pour rien, toutes les 3 minutes, bah ouais, je comprends. Je comprends. D'un autre côté, c'est vrai que bon, parfois, ça peut être utile, surtout quand on en a très peu de viewers. De pas être tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Bon, surtout en tant que musicien, quand t'es pris avec les mains, toi, ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc, et je peux pas toujours regarder ce qui se passe. Bon, là, ça va. Ça y est, j'ai repéré, mais bon, je peux comprendre, quoi. Hein. Bon, écoute, je te laisse. Je te remercie d'avoir participé. Et puis, bah, je te raconterai si t'es dans le coin lundi ou plus tard, voilà, comment ça s'est passé. Et puis je vais continuer. De toute façon, c'est pas parce que le stage est passé que j'arrête le stream. Au contraire, je continue. Je suis très contente parce que ça me fait beaucoup de bien aussi de travailler
comme je disais, ma pratique solitaire. Travailler ma pratique solitaire, mais sur Twitch, quoi. Voilà, bah écoute, si tu vas boire un café, et bon jeu, et puis merci beaucoup. Et puis je vais mettre le ending soon, voilà. Hop. Normalement, là, il devrait y avoir des trucs qui apparaissent, mais ça ne veut pas. Bon, au moins tu entends ma voix. Voilà. Merci beaucoup, Pixel. Franchement, merci. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Puis à bientôt à toutes les personnes qui verront ce replay et puis aussi les personnes qui vont passer sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Salut.